À la une de l'actualité, hommage grandiose à Nelson Mandela, décédé le jeudi 5 décembre dernier. 10 000 personnes se sont donné rendez-vous aujourd'hui au FNB Stadium à Soweto en présence de plusieurs chefs d'État. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au chevet des accidentés de la route, Ahmed Bakayoko est allé leur apporter le soutien et la compassion du gouvernement. Des soldats français ont été tués dans la nuit de lundi à mardi à Bangui. Ils sont au nombre de deux. Ils faisaient partie de la force française déployée dans le pays en vue de le sécuriser. Il est 23h, c'est votre journal sur RTI1. Bienvenue à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, en provenance de la République d'Afrique du Sud, où il a pris part aux funérailles nationales de l'ancien président Nelson Mandela, est arrivé aux environs de 20h ce mardi à Yamoussoukro. Le chef de l'État est dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire pour une visite d'État dans le district de Yamoussoukro et dans la région du Bélier. Le président Ouattara a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan. Jérôme Kofi Aboulin. Une autre visite d'État du président Alassane Ouattara a compté de ce mardi 10 décembre 2013, quelques jours seulement après celle dans le Bekè, la visite consacrée au district de Yamoussoukro et à la région du Bélier. Le président de la République arrivé aux environs de 20h dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, en provenance d'Afrique du Sud, où il a pris part aux obsèques de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Le chef de l'État, accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, a d'abord salué la mémoire de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, qui vient de tirer sa révérence, avant de dire un mot sur la visite qu'il attend, indiquant être heureux de se retrouver une fois encore parmi les siens. Oui, avant toute chose, je voudrais vous dire que je reviens de Johannesburg où nous avons participé donc aux funérailles nationales du président Nelson Mandela. C'était un moment d'intense émotion et vous le savez, Nelson Mandela est déjà venu à Yamoussoukro en 1991 pour rencontrer le président Houphouët-Boigny. J'étais alors Premier ministre et j'avais participé à cet entretien. Et nous avons constaté qu'il y avait de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Je pense une centaine de hauts responsables du monde. Cela montre la grandeur de l'homme et surtout le fait que ses idéaux et sa notion d'humanisme, de paix, de réconciliation ont porté. Et je pense que l'Afrique du Sud a beaucoup de chance d'avoir eu un si grand homme et je souhaite que son héritage soit conservé. Alors, je suis à Yamoussoukro, vous l'avez dit, pour une visite dans le Bélier et bien évidemment le district de Yamoussoukro. Nous allons d'ailleurs demain inaugurer l'autoroute qui est maintenant totalement fonctionnelle. Nous avons également un conseil des ministres ici demain et je commencerai ma visite à Didiévi, qui est donc le village natal de l'ancien Premier ministre Jeannot Ahoussou. Je suis heureux d'être là. Comme vous le voyez, Mme Ouattara est à mes côtés. Donc, et nous sommes venus nombreux. Le Premier ministre, l'infatigable voyageur à l'intérieur, me rejoint. C'est le Mandela intérieur. Donc voilà, nous sommes vraiment heureux d'être à Yamoussoukro et d'entamer cette visite qui complète en fait la visite que nous avons effectuée dans le Bekè. Le chef de l'État qui revient donc d'Afrique du Sud où ont eu lieu des funérailles grandioses pour Nelson Mandela. 10 000 personnes ont pris d'assaut le FNB Stadium pour rendre hommage aux héros de la lutte contre l'apartheid. Plusieurs chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara, ont pris part à cette cérémonie. Héritage légué par Nelson Mandela, c'est dans les cinq langues du pays que retentit l'hymne national sud-africain. Les 95 000 places du stade Soccer City de Soweto ne sont pas toutes occupées. La pluie incessante a retardé la cérémonie. Mais pas de quoi refroidir ceux qui ont fait le déplacement.
La ferveur d'un peuple derrière son père spirituel résonne dans tout le stade pour un hommage planétaire. Il a tant sacrifié. Il était prêt à tout abandonner pour la liberté et l'égalité. Nous sommes fiers de toi, Madiba. Tu représentes le meilleur des valeurs africaines. La liberté, la solidarité, le service aux personnes, l'égalité, le sacrifice et la défense de la dignité humaine. La famille Mandela est réunie. Embrassade entre l'ex-épouse Winnie Mandela et la dernière femme de Madiba, Graça Machel. Le président Jacob Zuma est lui aussi présent. Il reçoit quelques huées de la foule. Tout le contraire de Barack Obama, ovationné. Au détour de son hommage, le président américain dénonce l'hypocrisie de certains chefs d'État. Trop d'entre nous embrassent l'héritage de réconciliation de Madiba, alors qu'en réalité, ils font tout pour empêcher la plus modeste des réformes qui diminuerait la pauvreté et les inégalités. Geste historique, une longue poignée de main avec Raúl Castro. Cuba salue un geste d'espoir. C'est peut-être ça, l'effet Mandela. Les commémorations en mémoire de Nelson Mandela ont lieu dans toute la nation arc-en-ciel, aussi bien au Cap, à Pretoria, Johannesburg, que devant la maison de Nelson Mandela à Soweto. Comment ces commémorations se passent-elles dans les quartiers pauvres? Pour le savoir, direction le township d'Alexandra, l'un des quartiers les plus pauvres de Johannesburg. Tôt ce matin, les militants de l'ANC quadrillent le township d'Alexandra pour inciter les habitants à se rendre au FNB Stadium. Alexandra avait une place à part dans le cœur de Nelson Mandela. C'est le premier endroit où il s'est installé près de Johannesburg à peine arrivé de sa province natale. C'était aussi un haut lieu de la lutte anti-apartheid. Il aimait les gens d'Alex. Vous savez, c'est un bastion historique de l'ANC. Les services secrets de l'ANC avaient l'habitude de se réunir ici. Au point de rendez-vous, des dizaines de personnes attendent le bus gratuit qui doit les conduire sur les lieux de la cérémonie. Le FNB Stadium peut accueillir 90 000 spectateurs, mais ils ne sont pas sûrs de pouvoir entrer. En partant, ils avaient quand même espoir et chantaient une chanson de combat de la branche armée de l'ANC. À Alexandra, la petite pièce où Nelson Mandela a habité ne se visite pas car elle est occupée par une famille. Mais dans la cour, quelques visiteurs viennent s'imprégner de l'ambiance misérable dans laquelle le héros de la lutte anti-apartheid a vécu. Il n'y a pas foule et le gouvernement n'a rien fait pour développer. Il est vrai qu'Alexandra, toujours aussi pauvre qu'à l'époque de l'apartheid, n'est pas très présentable. Le problème, c'est que si vous regardez les autres townships comme Soweto, Tembisa, la plupart de leurs habitants viennent d'Alexandra. Les gens d'Alex partent pour d'autres townships et puis nous avons un flot de gens qui viennent d'autres provinces et même d'autres pays d'Afrique australe comme le Mozambique, le Zimbabwe. Ils sont ici, c'est comme une zone de transit. Un autre lieu de mémoire à Alexandra, c'est cette maison de retraite qui était autrefois une cache de la branche armée de l'ANC. Ces pensionnaires n'ont pas pu se rendre au stade, mais leur cœur est avec Mandela. Parmi eux, cet homme qui est un des leaders historiques de l'ANC et qui se souvient du retour de Madiba dans le bidonville de sa jeunesse. Le jour de ma vie que je n'oublierai jamais, c'est quand il est entré dans une cabane et s'est assis sur le lit. Il a pris un enfant et l'a mis sur ses genoux. C'est là que j'ai compris qu'il avait une passion pour les enfants. Nous avons vraiment perdu un géant. Aujourd'hui, son combat est de faire rebaptiser ce township Tata Mandela. Les ressorts.
Les ressortissants sud-africains vivant en Côte d'Ivoire se joignent à ces commémorations. Ils prévoient une messe en l'honneur de l'icône sud-africaine. L'information a été donnée par l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire au cours d'un point presse. Sidonie Davila, Gabriel Zani. L'hommage à Nelson Mandela ici en Côte d'Ivoire se fera au cours d'une messe dite en son honneur. Elle est prévue pour le vendredi 13 décembre 2013 de 10h à 12h à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Cette annonce a été faite par l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, Sindane, au cours d'un point de presse. Les Sud-Africains vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, avec la population ivoirienne, bien que peinée, se disent heureux de pouvoir célébrer ce grand homme dont la lutte a aidé à libérer tout un peuple. Je veux me joindre à ces millions de Sud-Africains en ce jour d'hommage, en l'honneur de Nelson Mandela, qui est une icône, un symbole. Je suis l'une des personnes qui a appris à pardonner grâce à Nelson Mandela. Nous invitons tout le peuple ivoirien ce vendredi 13 à lui rendre un hommage. Je lui dis merci pour tous les biens qu'il nous a légués. La légalité, la justice et le pardon. C'est un exemple. J'espère que nos leaders ont appris de lui. Nous invitons donc tous nos frères ivoiriens à nous soutenir et à respecter ces moments et aussi à se souvenir de notre papa qui est parti. Nous avons signé une pétition à la faveur de la libération de Mandela depuis 1988. Je lui rends ce vivant hommage pour que ses œuvres ne meurent plus. Un cahier de condoléances est ouvert au public actuellement à l'ambassade de l'Afrique du Sud à Abidjan pour rendre hommage et adresser les adieux à ce géant de l'histoire inscrit à jamais dans le patrimoine universel. Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a procédé à l'inauguration du CHR de Séguéla. Je vous propose de découvrir les temps forts de cette cérémonie en compagnie de Léon Brou. Voici le centre hospitalier régional de Séguéla, un établissement entièrement rénové et équipé pour plus de 460 millions de francs CFA, financé par la Banque africaine de développement. Cette renaissance, une œuvre de projet d'appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise PAIMSC. En 2009, lors de la mission de prospection, l'unité de coordination du PAIMSC a découvert un centre hospitalier régional complètement délabré, que ce soit de la salle d'opération au bloc gynécologique en passant par la maternité. Et donc pour une radio, nous étions obligés, n'est-ce pas, d'évacuer nos malades à Daloa qui se trouvent être distants de Séguéla de 120 km. Ceci relève du passé. Désormais, tous les soins sont fournis sur place ici au CHR de Séguéla. Le personnel ayant également bénéficié de renforcement de ses capacités. Une raison pour la ministre de la Santé d'établir à cette cérémonie de remise la feuille de route des usagers de l'hôpital. Habitants de Séguéla, prenez soin de votre hôpital régional et de tout le personnel médical. N'hésitez pas à les encourager quand ils font bien leur travail. Mais n'hésitez pas non plus à les dénoncer quand ils posent des actes indignes de leur mission de don de soi. Normal, insiste le Premier ministre. Daniel Kablan Duncan explique qu'en faisant de 2013 l'année de la santé, le chef de l'État et son gouvernement n'entendent réaliser qu'un pari, améliorer les soins de santé pour les populations. Le volet restauration du fonctionnement des services de santé, dois-je le préciser, a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires des populations des zones affectées par la crise, surtout celles les plus vulnérables, constituées par les femmes et les enfants. Il s'agit, ce faisant, à la fois de réduire la mortalité maternelle et infanto-juvénile en Côte d'Ivoire, mais aussi contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Dès lors, les populations de la région du Ouro-Dougou ne peuvent que dire leur reconnaissance au gouvernement et à ses partenaires. Une tâche dévolue aux élus et cadres, avec à leur tête le maire de Séguéla et le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Le monde entier a célébré aujourd'hui, mardi 10 décembre, la Journée internationale des droits de l'homme, consacrée à la protection et la promotion des droits de l'homme. Cette journée a été choisie par les Nations Unies
pour honorer l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. La Côte d'Ivoire a célébré cette journée à l'instar de la communauté internationale. Je vous invite à écouter le message du gouvernement recueilli par Alexis Ouedraogo. Le droit à la vie, au respect de la dignité humaine, le droit à l'éducation ou encore à la santé, la Déclaration universelle des droits de l'homme le stipule clairement. La personne humaine a des droits qui doivent être respectés. Pour le 65e anniversaire de la célébration des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le gouvernement a voulu rassurer quant à sa ferme volonté à œuvrer dans cette lignée. Certes, une période sombre a été enregistrée au cours de la dernière décennie, mais les nombreux efforts consentis au cours des 12 derniers mois par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara et le gouvernement, depuis la fin de la crise post-électorale, pour faire du respect des droits de l'homme une réalité, sont aujourd'hui perceptibles par des actions importantes dans divers domaines de la vie sociale, la ratification de certains instruments internationaux et l'adoption de plusieurs textes législatifs. Il faut également mentionner que diverses actions ont été entreprises avec l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour répondre aux problèmes structurels d'accès à la justice. Il est bon d'ajouter que des réflexions sont en cours. Elles portent sur l'arsenal juridique ivoirien et entend l'harmoniser avec les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la Côte d'Ivoire. Le directeur des opérations de la Banque mondiale est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Après 6 ans passés dans le pays, Madani Tall a fait ses adieux au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Madani Tall aura, durant sa mission, contribué à renforcer le dialogue entre la Banque mondiale et les autorités ivoiriennes. Des accidents sur l'autoroute du Nord ont endeuillé plusieurs familles. Ces accidents de la route ont également fait de nombreux blessés. Et les accidentés de la route ont reçu récemment le soutien du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko est allé traduire à ces personnes la compassion et la solidarité du gouvernement après cette lourde épreuve. Victorine Yaoyoboui. 3 accidents de la route en 3 jours sur l'autoroute du Nord. Bilan 106 victimes, 38 décès et 68 blessés. Tous évacués au CHU de Yopougon. Face à ce drame, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est rendu au chevet des blessés. Ahmed Bakayoko était porteur du message de compassion et de soutien du gouvernement et du président de la République. C'est très grave et le gouvernement se devait d'apporter d'abord toute sa solidarité, présenter ses condoléances à toutes les familles des victimes, apporter sa solidarité et souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés. Je veux rassurer tous les parents d'abord des victimes qu'il y aura une prise en charge. Il y aura une prise en charge du gouvernement pour les décès, pour accompagner également les blessés vers une meilleure guérison. Donc très rapidement, un point sera fait. Même ceux qui ont engagé des dépenses seront remboursés. C'est l'occasion pour moi, dans ces périodes de fin d'année, de lancer un appel du gouvernement à tous nos compatriotes qui empruntent les routes, les chauffeurs, leur demander la plus grande vigilance. Tout nous indique qu'il y a de l'excès de vitesse, il y a de la responsabilité des chauffeurs, et cela, il faut que les chauffeurs mesurent à quel point ils ont la vie de nos compatriotes entre leurs mains. Après le CHU de Yopougon, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a visité le 16e arrondissement de Yopougon. Ce commissariat de police a été maintes fois la cible d'attaques armées en 2013. Il était donc bon pour la tutelle d'aller remonter le moral de ses forces de l'ordre. Décembre est le mois où on observe un pic au niveau de l'insécurité. C'est donc maintenant qu'il faut prendre les dispositions, comme l'explique le ministre en charge de la sécurité, pour assurer des fêtes de fin d'année paisibles aux populations. Au cours de ces derniers jours, donc, 3 accidents successifs se sont produits sur l'autoroute du Nord. À l'origine de ces drames, plusieurs facteurs, dont les mauvaises pratiques de certains conducteurs. Et parmi ces pratiques, on peut citer notamment les dépassements dangereux et les stationnements dangereux. Michel Digré nous en parle. Autoroute du Nord sur l'axe Yamsokro-Tumodi. Un camion en panne stationné en bordure de route. Des mécaniciens s'activent depuis plus d'une heure à le remettre en état. On avait un problème de roulement, on a cassé le roulement. On l'a changé.
Le stationnement est dangereux. Aucun triangle de signalisation pour prévenir les autres automobilistes. Il y avait un triangle là-bas, mais il y a un camion qui est monté dessus, même s'est cassé. La règle d'or sur l'autoroute semble être l'excès de vitesse et les dépassements dangereux. À quelques kilomètres plus loin, un autre camion moins chanceux paye cash le prix de son imprudence. Il descendait, il essayait de freiner un peu, quoi. Il freinait, mais en même temps, la direction est calée, moi. Donc, ça m'a entraîné à terre là. Il est blessé? Bon, c'est mon apprenti qui est touché un peu. Il envoie à tout maudit. Pour les automobilistes et passagers qui ont pu arriver à destination, c'est le soulagement. J'avais vraiment beaucoup de soucis, mais comme Dieu est fort, tout va pour le mieux. Il faut dire que ça a été très pénible. Les voies étaient pratiquement impraticables. Les voies sont un peu trop petites. J'avoue que l'autoroute qui sera d'ici peu inaugurée par notre cher président apportera une grande satisfaction. L'ouverture de la nouvelle autoroute pourrait contribuer à éviter les accidents sur cet axe, pourvu que les mauvaises pratiques des conducteurs soient abandonnées sur l'ancienne autoroute du Nord. L'autoroute qui part d'Abidjan à Yamoussoukro doit être inaugurée officiellement demain par le président de la République. Pour l'heure, l'ouvrage quasi achevé séduit et est fortement attendu par les populations. Eugène Atoubé. À quelques heures de l'ouverture officielle de l'autoroute prolongée jusqu'à Yamoussoukro, il y a encore des équipes d'ouvriers à la tâche. Des équipes légères que nous avons rencontrées ce mercredi matin venant d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro en divers endroits sur un parcours de près de 100 km. Ici, nous sommes au parc kilométrique 55. L'on a repris le bitume pour renforcer son épaisseur et obtenir une uniformité de la couche sur tout le tronçon. L'objectif visé est de faire un travail de qualité et de rendre durable l'ouvrage. On a bien respecté les règles d'art et selon le cahier des charges. Il y avait aussi un contrôle par le chef d'émission des différents lots. Mais c'est sûr, l'entretien doit être quotidien et il faut bien veiller à ça. Technicité, mais aussi empressement à respecter le délai de livraison de l'ouvrage avec tous ses attributs. Panneaux de signalisation, glissières de sécurité et éléments de matérialisation. Ces travaux en nette progression ne sont pas encore achevés, mais l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro au stade actuel suscite admiration et plaisir d'y circuler. Vraiment du beau travail. Et puis les voies comme ça, on en a besoin encore en Côte d'Ivoire ici. Ce n'est pas obligatoirement de rouler à vive allure. Il faut être prudent. Roulons doucement. De toutes les façons, à 20 allures, à 30 allures, tu vas arriver. On relève déjà deux accidents mortels sur la belle et gracieuse autoroute. Cette route rapide et sûre, comme l'indique ce visuel, est enfin dotée d'un centre de secours d'urgence, longtemps réclamé par les populations, pour faire face à tous les sinistres et catastrophes éventuelles. Le président de la République va procéder dans quelques heures à l'inauguration de l'autoroute Axe Saint-Grobo-Yamoussoukro. Cependant, cette nouvelle voie dévie plusieurs localités, causant ainsi des incidents sur leurs activités économiques. Comment les populations vivent-elles cette situation? La réponse avec Mamadou Kouassi. La nouvelle autoroute passera à environ 1 km de la ville de Toumoudi. Une situation qui fait grincer des dents au sein de la population, notamment chez les restauratrices installées au centre-ville, dont les activités dépendent essentiellement du trafic routier. On va se débrouiller pour aller là-bas. Pour aller nous installer là-bas aussi. Ça va nous fatiguer, mais on est obligé. On demande à ce que la mairie nous fasse un coin comme ici pour qu'on puisse déménager. Ceux qui venaient ici le week-end pour passer un peu de temps qui passait, qui c'était nos clients, on espère qu'ils vont toujours venir parce que là, s'ils ne viennent pas, ça sera vraiment une malchance pour nous. Mais comme il y a l'autoroute aussi, c'est un gain pour le pays, donc on est fiers pour l'autoroute. Ouais. C'est un peu intéressant, mais ça peut nous arranger bien si on peut créer un autre coin comme ça, tout autoroute là-bas. Mais s'il n'y en a pas aussi, comme on est habitué, on est obligé de venir ici. Même inquiétude chez les vendeuses des villages traversés par l'ancienne route internationale. On vend pour aider notre enfant avec notre famille. Et puis, quand le voiture ne passe pas ici, ça ne nous arrange pas. On souffre. À cause de où on va là, on est découragé même. On ne sait pas comment on va s'arranger.
Il y a beaucoup d'hommes ici qui vivent au dépend de ça. Donc nous tous, on demande la place sur l'autoroute. Dans la ville de Toumodi, les populations soutiennent que la déviation de l'autoroute sera un facteur de développement. C'est un avantage. Pourquoi? Parce que ça va développer, un, le nouveau site où l'autoroute se trouve. Des deux côtés, il y a des gens qui ont acheté des terrains, d'autres ont déjà construit, d'autres vont construire. Des deux côtés, et ça va développer encore Toumodi en plus. Les activités de la ville de Toumodi peuvent se déporter sur la voie principale. Donc ça ne change rien. C'est ce mercredi 11 décembre 2013 que le président de la République, Alassane Ouattara, procédera à l'inauguration de l'autoroute Aksengrobo-Yamsokro. Avec cet ouvrage, l'autoroute du Nord passe de 145 à 230 km, avec un trafic journalier de 6400 véhicules. Le coût global de ce projet est estimé à 137 milliards de francs CFA. Un investissement qui va booster le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Les préparatifs de la visite d'État du président de la République dans la région du Bélier sont en cours. Au plan sécuritaire, les forces de l'ordre viennent de lancer l'opération Bélier en vue d'assurer le bon déroulement du séjour du chef de l'État. Abou Sanogo. La région du Bélier accueille dans quelques heures le président de la République, Alassane Ouattara. Cette étape, après celle de Gbeke, revêt un caractère particulier du fait et du symbole que représente la région pour la Côte d'Ivoire. En vue donc de garantir le bon déroulement de la visite du président de la République dans cette région, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie et la police nationale lancent l'opération Bélier. Une opération qui vise à garantir la sécurité de la visite du président de la République Alassane Ouattara dans la région. Pour la réussite de cette mission, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, s'est donc rendu au poste de commandement central pour s'enquérir du dispositif de sécurité mis en place pour sécuriser le séjour du président de la République. Près de 4000 hommes pour sécuriser cette visite d'État dans la région du Bélier. Les militaires, les gendarmes, les policiers sont tous sollicités pour exécuter cette opération. Et l'opération Bélier vient s'ajouter bien entendu à l'opération Terre. Continue. Au plan sécuritaire, les forces de l'ordre entendent déployer les grands moyens logistiques pour la sécurité du séjour du chef de l'État dans le Bélier. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera dans le Bélier dès demain 11 décembre pour une visite d'État. Devançant son époux, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est arrivée aujourd'hui dans la région. Voici l'ambiance qui a prévalu à l'arrivée de la première dame dans le Bélier avec Abou Sanogo. C'est cette ambiance qui a prévalu cet après-midi au corridor du district de Yamoussoukro. Les femmes de la région sont sorties massivement pour réserver un accueil des plus chaleureux à leur sœur Dominique Ouattara qui va visiter la région à l'occasion de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district de Yamoussoukro et dans la région du Bélier. En sortant en masse, ces femmes ont voulu lui traduire leur soutien pour toutes ces actions à leur endroit. Nous sommes très heureuses car cette grande dame vient de nous faire un grand honneur en venant chez nous dans la région du Bélier. C'est un plaisir pour nous car grâce à cette femme, nos femmes dans les associations qui sont dans la misère vont pouvoir faire des activités commerciales à cause des prêts qu'elle donne à ces femmes. C'est vraiment avec grand plaisir que nous recevons, avant l'arrivée de M. le Président de la République, son épouse, qui est notre sœur à nous. À son arrivée, la première dame a eu droit à un accueil des grands jours. Poignée de main par-ci, salutations par-là. Les populations mobilisées ont tenu à lui réserver un accueil à la dimension de toutes ses bonnes actions. La première dame a été accueillie à son arrivée par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et quelques membres du gouvernement. Les opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications souhaitent moins de taxes. Ces 10 dernières années, le secteur des télécommunications a généré des chiffres d'affaires records et les entreprises du secteur ont récolté d'énormes bénéfices faisant l'objet de taxes multiples. Réunis au sein du COFTEL, les opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications dans l'espace UEMOA militent en faveur de la réduction de ces taxes pour continuer à investir et accompagner la croissance dans l'espace. Lansina Ouattara. La 7e conférence des opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications qui se tient à Abidjan durant 2 jours a pour but de mener la réflexion sur la taxation des entreprises de télécommunications et l'impact sur le secteur dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA.
Ce sont près d'une cinquantaine de dirigeants d'entreprises qui veulent adopter des recommandations pour moins de taxation et ainsi demeurer compétitives. Un secteur qui est taxé trop fortement ne va pas se développer. Et s'il ne se développe pas, comme il y a un lien entre ce que nous faisons et la croissance économique de nos pays, il est clair que ça va avoir un impact négatif sur le développement de nos pays. En effet, le secteur des télécommunications représente entre 5 et 8% du produit intérieur brut des États en Afrique de l'Ouest. Les entreprises, au fil des années, sont devenues de véritables vaches à lait pour renflouer les caisses de l'État. Les taxes multiples appliquées pourraient cependant représenter un frein à l'investissement chez ces opérateurs privés. Bruno Koné, ministre ivoirien de la Poste et des TIC, qui a procédé à l'ouverture de la réunion à Abidjan, a affirmé la volonté des dirigeants à mettre en place un environnement favorable à l'investissement par un compromis entre les États et les entreprises du secteur des télécommunications. Le thème que vous avez choisi de traiter pour cette réunion, taxation des entreprises de télécommunications et impact sur le secteur dans l'UMOA, est très illustratif du compromis dynamique qui doit exister entre l'exigence pour nos États de disposer de ressources suffisantes pour une action publique effective et la nécessité de ne pas pénaliser un secteur en plein développement dont le besoin d'investir n'est pas discutable. Bruno Koné a par ailleurs indiqué attendre beaucoup de cette rencontre d'Abidjan avec des recommandations pour un secteur des TIC plus efficace. Hors de nos frontières, en Centrafrique, deux soldats français ont été tués dans la capitale Bangui dans la nuit de lundi à mardi. Ils faisaient partie de la force française déployée dans le pays. Situation explosive à Bangui. Des chrétiens brûlent des véhicules appartenant aux musulmans et une mosquée. Tous les musulmans qui sont dans les quartiers là, ils sont bien armés actuellement. Donc ils ont des armes dans les mosquées, dans leurs maisons, ils ont tiré sur les civils. C'est pour cela que la population s'est énervée. Un peu plus loin, des groupes de jeunes visiblement surexcités pillent des boutiques. Des boutiques qui appartiennent aux musulmans. On est en train de voler, on est en train de piller là, les musulmans. Dans la capitale centrafricaine, l'heure de la vengeance semble avoir sonné. Le pillage dure de longues heures. Soudain, un pick-up surgit. À son bord, des hommes armés ouvrent le feu sur des pillards. À quelques encablures de là, des soldats de la force africaine tentent de ramener le calme. Ils essuient des tirs. On nous tire sur nous, c'est pas normal. Qui vous tire dessus? On ne sait pas, on nous tire. Il y a des civils qui nous tirent. Depuis lundi soir, Bangui connaît un brusque regain de tension. Deux soldats français de l'opération Sangaris ont été tués lors d'un accrochage avec des hommes armés. Donc, aucune opération militaire n'est facile, il y a toujours beaucoup de risques. Cette opération est aussi difficile que les autres, mais il importe de désarmer ces milices qui ont créé des massacres. Les autorités françaises assurent que l'opération Sangaris va se poursuivre. Le président américain Barack Obama promet de mettre à disposition deux avions pour convoyer des troupes africaines en République centrafricaine. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI 1.